Xavier. Ça va Xavier? Ça va bien et toi? Bah tranquille, tranquille, tranquille. Alors nous on prépare le match de dimanche, Leaders Cup, c'est ça? C'est ça, absolument. Mais on n'est pas là pour ça nous, réellement. On est là pour le 25, parce que c'est un gros match le 25 avec Fos-sur-Mer. Et là, on va leur mettre la mine. C'est le but. C'est le but? Alors ça tombe bien parce que moi je serai sur le parquet avec une cache animation pour présenter un petit show en même temps, enfin pas en même temps que tu joues parce que sinon je vais te foutre la merde quand même. Mais pendant la mi-temps, je serai là tout au long de la mi-temps et juste après le match avec une surprise, des cadeaux à gagner. Et moi je suis venu avec un petit truc sympathique, je vais te faire un tour de pièce aujourd'hui. D'accord. Ça te dérange toi? Absolument pas. Non, t'es calme comme gars. Moi, ça tombe bien, ça tombe bien. De toute façon il est pas très grand. Alors moi j'ai décidé de faire un petit tour toi avec... Bon, une pièce. Non. T'aimes bien les boules? Ça fait bizarre quand je te dis ça. C'est une question un peu bizarre. Ouais, alors non, tiens, on va prendre la petite boule, tiens, tu vas la prendre dans la main et tu vas la garder surtout. Non, bon, tu préfères peut-être jouer avec des pièces? Ouais, c'est plus sympa. T'aimes bien le pognon? Ouais, tout à l'heure, il voulait quand même que je lui fasse gagner 500 euros. Alors tiens, ça tombe bien, on va partir avec 4 pièces. Ça te va bien? C'est un bon début, ouais. C'est un bon début? Ok. 4 pièces, rien que pour toi. Alors ce que je vais te demander, c'est avec tes petites mains. De juste les réunir comme ça et les mettre dans ta main. Voilà, comme ça, fermer ta main. Et tu vas donner l'illusion que tu prends la pièce et tu me la donnes dans la main, comme ça. L'illusion. Vas-y. Ça marche. Ça marche. Ça marche, vas-y, tu peux ouvrir ta main. Tu peux regarder que... ça fout les boules. Tiens, j'ai laissé la pièce magique, ça te va bien. Et là, tu vas regarder ce qui se passe. On va prendre les 3 pièces. Ça te va? Ça me va. C'est bon? C'est rigolo, ça marche aussi. Et là, ça fait encore plus les boules. On continue? On peut continuer, alors toujours. C'est des demi-dollars pour les Américains qui sont dans le club. Ouh, j'aime bien les Américains, mais je comprends pas ce qu'ils disent. C'est pour ça que j'ai pris un français. Ok, alors 2 pièces, ça va aussi toujours? Ça va. Tu l'as vu passer? Non, bon, par contre, elle passe à chaque fois. Elle passe à chaque fois. T'as 3 pièces? Ouais. La 4e, tu l'as peut-être avec toi? Tu fermes tout? Ferme ta main et juste en faisant ça comme ça et en te disant juste une chose, c'est que moi les pièces, je les récupère par contre toi, tu les perds. C'est fun non? C'est fun. C'est, ouais, c'est déconcertant. Alors moi je veux bien que tu me fasses un petit autographe. Bien sûr, c'est sûr. Ouais, c'est sur une pièce, ça t'irait comme ça? Ou alors tiens, si tu veux, on pourrait faire un peu plus gros. Là c'est plus simple pour écrire. C'est plus simple pour écrire? Bah tiens, ça tombe bien alors. Je vais te donner la pièce, je vais te donner le marqueur qui va avec, ça ne te dérange pas. Est-ce que tu peux me la signer s'il te plaît? Moi c'est Romu. Romu. Ah merci. Et alors là, moi les mecs, je suis content, c'est que j'ai vraiment te fait. Hop, non, c'est rapide. C'est très rapide. Et en tout cas, moi je vous dis au 25, en live, avec Xavier et toute l'équipe. Merci à la SNB, à très très bientôt. Ciao, ciao.